Donc là, je reviens d'aller faire l'épicerie, puis vous êtes dans mon frigo. Puis je suis en train de... Enfin, compte... Tout... dépacter mon épicerie. Puis... Ben, pour moi, c'est plate, là, mais je vais vous montrer qu'est-ce que je me suis acheté. Moi, j'ai été faire mon épicerie au Super C. Mon Super C, moi, près de chez moi, il est super beau. Il est nouveau de quelques années. Ils ont presque tout. Donc, en tout cas, j'ai commencé, j'ai acheté... normalement, je mange pas du gruau. Là. Ben, j'aime ça, là, mais j'en mange pas tant que ça. Mais j'ai acheté du gruau aux pêches et crème, puis aux pommes, canneberges et amandes. Donc, ça va être très bon le matin. J'aime bien le gruau, mais comme je vous dis, c'est rare que je l'achète. Après, j'ai acheté des bagels. Je suis pas un gros mangeur de pain, mais quand je suis rentré dans l'allée des pains, ça sentait la cannelle. Oui, la, comme... oui, la cannelle. Fait que j'en ai acheté au raisin pitanelle. Puis j'en ai acheté au tout garni, comme ça. Mais c'est des bagels plein goût, là, normalement. Là. Donc, j'ai jamais entendu ça tout garni. Là. Ça me semble que c'est comme pizza. J'ai acheté un ananas. Moi, j'aime bien les ananas. J'ai acheté beaucoup de fruits parce que, comme vous le savez, je me fais des jus frais le matin. J'ai acheté un cantaloupe. Est-ce que vous dites cantalou ou cantaloupe? Moi, je dis cantaloupe. J'ai acheté des oignons rouges. J'adore les oignons rouges. C'est vraiment fort, mais c'est tellement bon. J'ai acheté du saumon frais, comme ça. Je vais, normalement, je les coupe en petits, peut-être comme je vais couper ça en 6 pour des repas congelés. Puis j'ai acheté des pork chops, comme ça. C'est quand même assez simple. Puis c'est la viande que j'ai acheté. Ensuite, j'ai acheté du jus d'orange. J'achète toujours du jus d'orange. Wow! Pardon, mon Dieu Seigneur, je vous ai échappé. Donc, ouais, j'achète toujours du jus d'orange parce que je mélange dans mes jus de fruits. Puis, c'est ça, j'ai acheté de la crème à café. Je mets de la crème dans mon café. J'ai acheté ça, je ne sais pas pourquoi, là, c'est du shake and bake. Je pense que je vais faire mes pork chops avec du shake and bake. J'ai jamais essayé ça, mais je l'ai vu, puis je suis comme shake and bake. Shake it! Fait que, ben, ça a l'air quand même assez facile à faire, là. Je vais regarder les instructions. J'espère que j'ai tous les ingrédients, par exemple. Mais bon. Puis là, je suis sur une trip de fromage, là. Je pense que je devrais faire attention vraiment à ce que je mange, là, parce que les fêtes s'en viennent en plus. Mais normalement, là, chez moi, là, on trouve pas de pain, on trouve pas de fromage, puis on trouve pas de lait. On trouve juste de la crème pour le café. Puis j'ai comme une petite intolérance au fromage qui cause de... des ballonnements, des numéros 3 à la toilette. Mais non, je vous agace, mais ça me donne des mal de bord. Mais le niaiseux, qui est moi, le tata, j'en achète quand même. Donc, j'ai acheté du brie de Princeville, puis j'ai acheté du camembert, encore une fois. Comme j'ai fait sur mes cannellonis. Fait que, hurrah pour les mal de vente. Mais je pense que je vais faire comme un vin fromage où je vais inviter quelqu'un à venir manger. Parce que j'ai acheté une baguette de pain. Encore une fois, quelque chose que je mange jamais. Pas parce que je suis sur une diète, mais c'est juste que j'en mange pas. Le pain, ça passe pas bien avec moi. Ensuite, mon dernier sac, une baguette de pain. Donc, peut-être ce soir, je vais inviter quelqu'un ou demain parce que je veux qu'elle reste fraîche. J'ai acheté des épinards. Encore une fois, ça c'est pour mes jus frais le matin. Je trouve ça plaisant d'en mettre là-dedans, puis on le goûte même pas. J'ai acheté des framboises. Encore des framboises. Puis des bleuets. Je suis pas très très bleuet, mais dans le jus, ça me dérange pas parce que honnêtement, on le goûte pas vraiment. Puis là, ça c'est vraiment une histoire cocasse. Ben, une histoire cocasse. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, là. Mais là, c'est le temps des célébrations, là, l'Auto-Québec. Puis à chaque fois que je vais au Super C, il y a une dame qui est toujours, toujours de mauvaise humeur. Puis ça fait des années. Je sais pas si c'est parce qu'elle aime pas ma face. Mais à un moment donné, là, j'ai déjà dit, là, comme... Tu sais, quand on fait l'épicerie, normalement, on met les choses lourdes avant. Comme ça, si on a des choses molles à l'arrière, mais ça va pas l'écraser. Mais en tout cas, je sais pas qu'est-ce qu'elle a fait, mais elle a mis mon mou avant. C'est comme ça... Je me rappelle même pas c'était quoi, si c'était du pain, mais je pense pas que c'était du pain parce que j'en mange pas vraiment. Mais bref, il y avait quelque chose de mou, puis j'étais en train d'emballer ma commande, puis elle appuyait sur le bouton pour que la commande à l'avance parce qu'il y avait d'autres produits à scanner. Puis elle a tout écrasé, qu'est-ce que j'avais, puis j'ai dit « Excusez madame, c'est parce que vous écrasez ma commande. » Elle a dit « Ben c'est parce que vous paquetez pas assez vite. » Puis j'étais tellement fru, là, j'en revenais pas qu'elle m'avait répondu. Comme oui, il est plus bien que moi, là, mais le respect d'autrui, là, je m'excuse, ça n'a pas d'âge.
En tout cas, là, il était super gentil. Il était parce que c'est pour ça qu'elle vendait les célébrations. Là. Mais j'ai acheté une célébration, ça vient dans une tasse comme ça, puis c'était 25$, puis c'est déjà emballé. Puis je me suis dit, comme, tu sais, peut-être pour ma grand-mère ou quelque chose comme ça. On dirait que les grand-mères adorent toujours gratter, hein. Je sais pas pourquoi, là. Ben, attends, je sais pas si c'est de leur temps ou quelque chose comme ça, là. Mais en tout cas, j'ai acheté, puis était, parce qu'il était super, mais super de bonne humeur. Encore là, peut-être que c'était une tactique pour que je dépense. Mais j'ai dit, gars, je vais lui faire plaisir, là, parce que là, n'arrêtez pas de me dire aussi, si vous gagnez, avoir la chance de gagner 100$ aussi par-ci, puis je vais gagner quelque chose aussi. Là, j'avais le goût de dire, c'est quoi, tu vas gagner une claque d'en face? Mais j'ai quand même resté poli. Fait que je l'ai acheté, puis je pense que je vais le donner à ma grand-mère pour Noël. Après, j'ai acheté des asperges. J'adore les asperges, c'est très bon. Puis, par exemple, mon pipi, il pue, là. Mais c'est la vie, hein. Puis, finalement, j'ai acheté des œufs. Des œufs, je mange ça le week-end. C'est... Ben, le jour, c'est je pense que j'ai pas le temps de me faire ça à déjeuner. Puis c'est ça. Ah oui, la dernière chose encore, là, c'est une niaiserie que j'ai acheté, là. Mais c'est un set de Febreze. Je pense que c'était comme 5 ou 6$. Puis c'est édition limitée, là. C'est le Febreze au canneberge et givre, ici. Puis là, ici, à côté, on a un Air FX. Je pense que c'est juste, ça sent bon. Puis c'est au pain Saint-Yan. Donc voilà, c'était comme... Comme je vous dis, je pense que c'était 5 ou 6$, puis je me suis dit, je pense que c'est pas si pire, parce que ça, normalement, un gros, je pense que ça va pour 6$ ou 5 ou 6$. Donc, en tout cas, pour les habitudes, moi, j'ai fait une bonne deal, je me suis juste mis les pieds dans les plats, puis j'ai encore dépensé pour quelque chose qu'il fallait pas. Mais c'était mon épicerie, ça m'a coûté environ, je pense, juste 100$, 108$, puis, mais là, on s'entend que célébration, c'était vraiment pas nécessaire, mais je me suis dit, ça va faire un cadeau. Donc, c'était mon épicerie. Je vais continuer à déballer comme il faut. Puis là, je suis en train d'enregistrer sur mon téléphone. J'espère que c'est bonne qualité. C'est parce que je me promène avec ma caméra, puis elle est vraiment grosse. Puis je fais toujours un... On dirait que c'est toujours un close-up de mon visage. Puis vous voyez toutes mes pores, puis toutes mes imperfections, puis ça m'écœure. Je ne me sens pas prêt pour mon close-up. Donc, c'est ça. Je vais continuer à déballer, puis on se voit au courant de la soirée. Ah oui, j'ai commencé à uploader mon vlog d'hier, en ce moment. Mais vous, en fait, vous voyez un jour après, mais il y a eu un bug là, cette nuit. Je sais pas, ça a pris extrêmement de temps à sauvegarder. Donc, je vais aller finir ça. Puis, ben, je vais finir ma commande, puis je vais aller voir comment mon upload va. C'est cela! Donc là, je suis en train de laver mes pinceaux. Je sais pas si vous m'entendez, l'eau est en train de couler, ça fait que je vais me dépêcher. Mais ça faisait 2 jours que je faisais mon paresseux, puis je devais nettoyer mes pinceaux. Puis ce soir, c'est enfin le jour. Donc je sais pas si vous faites comme moi, mais moi j'utilise beaucoup des pinceaux semblables quand je les lave. Comme ici, j'en ai 6. Je vais juste ça va être un petit tutoriel. Puis après, je vais juste les tremper un peu dans du savon à vaisselle. Puis je vais juste les tourner au fond de ma main. Là, je vois que le maquillage. Ça va. Ensuite, je vais juste m'essayer de rincer le bout du pinceau. Je mouille pas tout le pinceau, vraiment juste le bout des poils en frottant dans le fond de ma main. Puis comme ça, là, ça, vous nettoyez vos pinceaux beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement. Moi, quand j'entends les gens dire « Oh mon Dieu, j'ai lavé mes pinceaux, j'ai les mains en prune », je suis désolé. Mais j'ai aucune pitié pour vous parce que probablement que vous nettoyez pas vos pinceaux assez souvent. Donc, vous faites vos paresseux. Fait que... désolé, j'ai pas de pitié. Mais, bref, comme là, j'ai pris mes pinceaux qui sont en... mes blending brush, qu'on appelle. Même technique encore. Je vous dis, ça va tellement rapide, là. Je comprends pas pourquoi les gens... Comme oui, c'est une job plate à faire, laver des pinceaux, mais les gens qui disent, oh mon Dieu, j'ai passé 1 heure à laver mes pinceaux. Excuse mon français, là, mais... bullshit. Je ne crois pas à ça. Si c'est le cas, là, c'est parce que vraiment, vous nettoyez jamais, mais jamais vos pinceaux. Puis ça, c'est vraiment pas bon, parce que la bactérie est faite jusque dans le bois du pinceau. Fait que votre pinceau, il est gâché. Mais bref. C'est ma petite, mon petit court maquillage ce soir. Là, je suis en train d'écouter Grey's Anatomy. J'ai toujours été un super, super gros fan de cette émission-là. Depuis comme... les tout débuts. Mais là, pour être honnête, là, cette saison-ci, à chaque fois que ça joue, je me trouve en train de faire quelque chose d'autre. Fait que...
Je déteste dire ça, là, mais je pense que c'est peut-être le temps que Grey's Anatomy... En fait, qu'on commence le dernier chapitre de la série. Je pense qu'on s'en va sur la 10e saison. Ou ça, c'est la 10e saison? Je suis pas trop certain. Comme je vais toujours l'écouter parce que je connecte avec les personnages, là, mais je trouve l'histoire en général, là, je trouve ça long là, ces temps-ci. Il n'y a rien qui me... Il n'y a pas de suspense. Il n'y a aucune histoire d'amour qui m'intéresse. Je trouve que c'est long. En vrai, c'est rendu un petit peu négatif. C'est juste du caca. Et comme je trouve l'emphase de l'émission, c'est vraiment juste le caca des personnages. Comme qu'est-ce qu'ils ont fait de mal dans leur vie. Puis leur relation d'amour, ça va pas bien. Puis... Fait que je suis un peu... Je commence à être tanné un peu. Là. Mais après, c'est Scandal. Ça, j'adore Scandal. Est-ce que vous écoutez ça? Moi, vraiment, c'est une de mes amies à la job. J'avais comme trop d'émissions. Ben, trop d'émissions à écouter. J'avais pas le temps d'écouter les émissions. Mon amie a dit vraiment Scandal. Jeff, tu vas adorer ça. Puis j'avais pas le goût, vraiment. Par contre, j'ai acheté la série DVD, les deux saisons. Puis je suis devenu addicté. Addicté. Puis là, mon téléphone, il reste 20%. Donc là, vous voyez sûrement une différence de qualité. Je sais pas si je vous l'ai dit plus tard, là. En vrai, je vieillis, j'oublie ce que je dis. Mais j'ai essayé d'enregistrer aujourd'hui juste avec mon iPhone. C'est plus pratique qu'une grosse caméra, honnêtement. Puis, c'est ça. Donc, on va voir comment ça va aller avec ça. Laissez-moi savoir si ça vous cause. Mais si ça vous cause. C'est quoi vos préférences, en fin de compte, quand j'enregistre? La qualité. Donc, je vais finir de nettoyer mes pinceaux. Ensuite, je vais commencer à éditer le vlog d'aujourd'hui. Après d'éditer la vidéo d'aujourd'hui, je vais bientôt aller me coucher. Puis là, comment qu'on tourne ça? On peut tourner? Non, on peut pas tourner. Il va falloir que je tourne comme ça. Puis là, j'espère qu'on me voit, là, mais c'est ça, je suis en train d'éditer la vidéo. Je vais aller me coucher tout de suite après. Puis là, mon programme Final Cut Pro, là, j'ai de la difficulté à sauvegarder mon maquillage de Make Up For Ever. Le maquillage avec plein de perles autour puis de diamants. Donc, je vais essayer de sauvegarder cette nuit. Là. Ça fait 2 jours que j'essaie de le mettre en ligne. Puis on dirait que mon programme, il crash toujours. Puis le seul temps vraiment où je sauvegarde mes choses, c'est le soir sur mon ordinateur. Comme ça, il n'y a rien d'autre qui fonctionne sauf le programme. Donc ça l'aide. Donc, c'est ça pour aujourd'hui. Demain, c'est la journée ménage. Donc, je vais revenir de travailler, puis on commence le ménage. Parce que moi, j'aime ça un week-end, parce que je peux me reposer, là, que le ménage est déjà fait. Puis faire mes vidéos, puis me relaxer, puis des choses comme ça. Donc, on se voit demain. Bye!